Herodote.net, Richard Schrender. Bonjour à toutes et tous, d'abord un remerciement. Vous êtes déjà plus de 100 000 à nous écouter à travers le monde et un clin d'œil spécial à nos amis de la page Facebook. Vous nous écoutez depuis Arras, Montauban, Bordeaux, Paris, Sydney, Reims, Kairouan, Lille, Tahiti, Bruxelles, Rueil-Malmaison, Toulon, Zurich, Gambloux, Blois, Quetta, Québec, Alger, Alloche, Quimper, Cannes, Menton, Cazorso, Sao Paulo, Annonay, Jouy-le-Moutier, Pantin, etc. Alors à toutes et tous, merci. C'est vraiment sympa de vous retrouver chaque jour sur Facebook pour des discussions qui sont parfois en diablé sur nos sujets historiques et c'est vrai qu'en ce moment la période est féconde. Alors après ce voyage autour du monde, nous allons continuer de voyager, mais cette fois voyager dans le temps. Imaginez, il y a 500 ans, Christophe Colomb découvrait l'Amérique. Il y a 5000 ans, des paysans, des mineurs, des bergers, des artisans travaillaient sur les lieux mêmes que nous occupons actuellement avec un genre de vie assez peu différent de celui du début du XXe siècle. Il y a 50 000 ans, un ancêtre déjà lointain de l'homme chassait le grand ours des cavernes, Homo sapiens. Il y a 500 000 ans, l'homme de Néandertal découvrait et utilisait le feu. Enfin, il y a 5 millions d'années, Homo habilis, c'est-à-dire Lucie, cherchait des racines qu'il déterrait avec un bâton. Fin septembre 2010 est sorti sur les écrans français le nouveau Jacques Malaterre, le créateur du mythique Odyssée de l'espèce, le film A.O., le dernier Néandertal. Alors, du coup, nous avons profité de cet événement et avons eu la chance d'être reçus par Marilène Patou-Matisse, docteur en préhistoire, responsable de l'unité d'archéozoologie du Muséum National d'Histoire Naturelle et conseil scientifique sur le film. Aujourd'hui, sur Herodote.net, Néandertal, la mauvaise réputation. Alors évidemment, Herodote.net parle d'histoire traditionnellement, et ici nous sommes bien sûr dans la préhistoire. Mais nous avons fait cette exception, d'abord parce qu'il est assez rare d'avoir un film digne de ce nom sur le sujet, par la guerre du feu, vous m'arrêtez évidemment si je me trompe, mais surtout la publication par la revue Science de cette bombe scientifique, des croisements auraient eu lieu entre Homo sapiens et Néandertal, s'il vous plaît, Marilène Patou-Matisse, dites-nous en plus. Oui, alors c'était vraiment quelque chose d'absolument sensationnel. Donc, la publication le 7 mai 2010 dans Science d'un résultat surprenant, c'est-à-dire qu'ils ont mis en évidence, nos collègues généticiens américains et du Max Planck en Allemagne, le croisement entre des Néandertaliens et des hommes modernes. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement qu'ils ont mis en évidence ce croisement, c'est qu'ils ont été même plus loin, ils ont mis en évidence que donc, nous avions les Européens et les Asiatiques, en moyenne 4%, entre 2 et 4%, donc de gènes néandertaliens. Donc ça, c'est vraiment une révolution, parce que pendant très longtemps, on pensait que c'était pas possible, que c'était deux espèces différentes, qu'il n'y avait pas de croisement. Donc entre les deux, en tout cas, il pouvait y avoir des croisements, mais pas d'hybrides féconds. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne pouvait pas avoir donc des gènes, nous, Homo sapiens, des gènes de Néandertaliens. Donc c'est une vraie révolution. La deuxième indication, c'est que ce croisement n'a pas eu lieu comme on le pensait en Europe, parce que vous savez, il y a 350 000 ans, apparaissent les pré-Néandertaliens en Europe, et ils vont occuper toute l'Europe jusqu'à 30 000 ans à peu près, où pendant cette période vont arriver donc les hommes modernes. Ils vont arriver dans les Balkans. Et donc là, on pensait que s'il y avait eu des croisements possibles, ça serait plutôt en Europe, vers entre 40 et 30 000 ans. Et là, pas du tout. D'après leurs résultats, ça serait passé avant. C'est-à-dire que ça serait passé à la sortie du Proche-Orient, peut-être en Anatolie ou dans ces régions du Zagros, où là, vers 60 et 70 000 ans, ils se sont mélangés. Donc ça, c'est aussi une donnée très importante. Et ce n'est pas surprenant parce que les Européens, les Néandertaliens qui vivaient en Europe ont également migré vers 120 000 ans au Proche-Orient. Donc ils sont partis d'Europe, sont arrivés au Proche-Orient et là, ils ont rencontré déjà des sapiens, ce qu'on appelle des proto-cromagnons. Et donc ils se connaissaient depuis à peu près 120 000 ans, jusque donc cette période 60-70 000 ans, n'est pas surprenant qu'il y ait eu des métissages. Et ça, pardon, vous voulez dire qu'en fait ils vivaient ensemble? Concrètement, tous les jours, ils se croisaient, ils vivaient. Et donc, quand vous dites qu'ils se mélangeaient, concrètement, ils ont essayé de s'accoupler. Alors, donc, on n'avait pas jusqu'à présent donc, de sites au Proche-Orient qui montrent
qu'il y avait vraiment un croisement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, c'était pas identifiable du fait que les proto-cromagnons, c'est-à-dire les proto-sapiens, faisaient le même outillage que les Néandertaliens qui étaient arrivés, c'est-à-dire qu'ils faisaient tous les deux du moustérien. Donc on avait des sites, soit moustériens vraiment avec des Néandertaliens, soit des proto-cromagnons, je parle au niveau des squelettes, où là, donc on avait aussi du moustérien, donc c'était pas facile de savoir s'il n'y avait pas de reste humain, qui était l'artisan. Et donc là, c'est une donnée importante parce qu'il est possible que déjà, il y a eu ces rencontres et que, en fin de compte, c'est peut-être lors de ce déplacement de population, aussi bien sapiens que néandertalienne, vers l'Eurasie, qu'il y a eu ces croisements. Alors, c'est une donnée importante aussi pour mettre en évidence qu'en fin de compte, nous, les différences que l'on met entre les sapiens et les néandertaliens, qui est une différence très importante qui est marquée depuis le 19e siècle, en fin de compte, n'était pas pour eux aussi importante, puisqu'ils se sont acceptés, aussi bien physiquement, puisqu'ils étaient quand même différents, que culturellement, ils se sont mélangés. Et ça, je crois que ça fait réfléchir sur deux notions. La première notion, c'est sur la notion d'espèce. Parce qu'en paléontologie, on travaille sur des ossements. Et sur les ossements, il est très difficile de déterminer l'espèce. Déjà, sur le vivant, il y a plein d'exceptions de dire, en fin de compte, oui, deux espèces différentes, dont on donne des hybrides, le mulet, le baudet, etc., qui sont stériles. Et en fin de compte, il y a plein d'exceptions dans le règne animal. Donc déjà, c'est pas facile. En plus, sur les ossements, c'est encore plus dur. On ne va pas faire de l'ADN surtout. Et quand on en fait, surprise, en fin de compte, probablement, ce sont les mêmes espèces. Et il faut être très prudent parce que... Qu'est-ce que la paléontologie ? C'est de se baser sur la morphologie, sur la morphométrie, et pour faire des différences espèces qu'on a appelées au XIXe siècle races. Hein, c'est là où sont nées les races noires, les races jaunes, etc., basées sur des critères anthropométriques. Et donc, on a vu l'erreur que ça a fait, puisqu'on a, dès qu'on a pu faire l'ADN, on a constaté que toutes ces races étaient en réalité la même espèce. Que ce soit un noir, un aborigène, un bushman, un indien, tout ça, c'était exactement la même espèce. Donc je crois qu'il faut une grande prudence en paléanthropologie, et je pense qu'il faut peut-être revoir, et je crois qu'il y a beaucoup de collègues anthropologues qui se penchent sur ça, la notion d'espèce. Il y a peut-être moins d'espèces, et en fin de compte, les néandertaliens et les sapiens, c'est peut-être la même espèce, et deux sous-espèces ou deux variétés différentes, c'est tout. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que, en gros, vous, moi, André Laradé, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, on a tous des gènes néandertales. On est néandertaliens. Alors, on est néandertalien, non, parce qu'on a quand même une majorité de caractères qui sont sapiens. Mais disons que, sauf les Africains, hein, eux, ils n'ont pas du tout de gènes néandertaliens, du tout. Sauf les Africains, en fin de compte, on peut avoir entre 2 et 4%. Donc, quelque part, on dit toujours la disparition des néandertaliens, ils ne sont pas tout à fait disparus, puisque nous sommes porteurs de quelques gènes, donc de ce lointain ancêtre. Donc, mesdames, pour faire une petite boutade, quand vous nous traitez de néandertal devant le foot avec notre bière, finalement, vous avez raison, nous sommes tous néandertaliens. Quelle différence on pourrait faire entre Cro-Magnon et Homo sapiens ? Alors, entre Cro-Magnon et Homo sapiens, bon, c'est Cro-Magnon est un Homo sapiens qui a été découvert donc aux Aisiers, en Dordogne, et qui au début du XXe siècle, et qui, en fin de compte, si vous voulez, présentait les mêmes caractères physiques, anatomiques que nous. C'est-à-dire qu'il avait ce crâne rond, alors que les néandertaliens ont un crâne allongé. Hein, moi, je dis toujours pour faciliter la vision, eux, les néandertaliens, ont un crâne en ballon de rugby et nous en ballon de foot. Et on revient au sport. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une différence qui a frappé, qui a rendu son anatomie un peu brute. C'est que ses ossements sont extrêmement robustes. Il est très, très fort. Très musclé, ses os sont très, très lourds, très massifs. En plus, il a ces fameux bourrelets au-dessus des yeux qui sont comme une visière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit creux comme nous au-dessus du nez. C'est vraiment le casque avec ce qu'on appelle, nous, le torus susorbitaire extrêmement développé, donc comme une visière de casque. Et en plus, ils n'ont pas de menton. Donc, c'est vrai que ça faisait un faciès un petit peu différent. Et quand on l'a trouvé en 1856, un premier squelette qui a été reconnu, en fin de compte, c'était avant Darwin, avant 59. Donc, il était impensable que ça soit un ancêtre, puisque le concept n'existait pas. Et donc, tout de suite, on a dit, oh, mais c'est quoi ce monstre ? Donc, on a dit, c'est un homme pathologique, etc. Donc, le pauvre, au départ, il était mal parti. Il avait un délit de sale gueule, si je puis me permettre l'expression. Chers auditeurs,
heures. Mais c'est vrai que c'est un peu ça qui a joué. Il était vraiment physiquement tellement différent. Pour l'époque, on n'acceptait pas ces différences physiques. Donc, il a tout de suite été mis du côté des singes. Effectivement, d'après mes souvenirs d'école, Néandertal, c'était une espèce de grosse brute, imbécile, l'idiot du village. Et en fait, on disait toujours, s'il était parmi nous, on le repérerait tout de suite, tellement il est idiot. Eh ben maintenant, on peut dire que non, parce qu'il y a eu premièrement un dessin dans les années 30 qui ont montré un visage un peu différent de ce qu'on pouvait imaginer hein, par rapport aux reconstitutions anciennes. Donc, il faisait un peu plus moderne. Et puis maintenant, si on suit les reconstitutions qui sont faites un peu comme dans la police, à partir du crâne, on peut refaire le visage. Évidemment, la couleur des yeux et des cheveux, on peut discuter. Mais toujours est-il qu'au niveau de l'anatomie, si on le rase de près, on lui coupe les cheveux et on lui met un costume, dans le métro, il ne se fera pas remarquer. Et donc, ou très peu, comme on regardera quelqu'un qui est un peu différent, mais bon, pas plus. Donc c'est vraiment un regard qui a quand même changé parce que notre regard à nous a changé par rapport au regard du 19e et même du 20e siècle. C'est-à-dire qu'on est plus à même d'accepter les différences. Justement, j'allais y venir. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mode, on va dire, pendant plusieurs décennies, ça nous a arrangé que Néandertal soit vraiment l'idiot du village pour montrer que l'homme moderne, le Cro-Magnon, finalement, est intelligent par rapport à la bête, etc. Et aujourd'hui, où il y a une sorte de mode où on revient un peu à la terre, ça nous arrange bien de dire que Néandertal, finalement, n'était pas si idiot que ça, alors que lui était proche de la terre. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu comme ça? On réécrit pas l'histoire un peu? Je crois pas qu'on réécrive l'histoire. Je crois que l'histoire s'écrit à chaque minute. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, tous les chercheurs, on n'est pas dans une bulle, on n'est pas dans une sphère. On a une histoire personnelle, on a une histoire culturelle. On est imprégné de ce qu'on nous a appris. Hein, par exemple, nous, en France, la majorité en tout cas, on est vraiment dans une culture judéo-chrétienne et gréco-romaine. Donc forcément, on a une image qui est différente. Par exemple, je prends l'exemple des Indiens, je parle des Indiens de l'Inde, où eux, ils ont un rapport notamment à la nature qui est totalement différent. Nous, on a, dès la Genèse, nous a dit qu'on est hors de la nature, qu'on est l'être le plus parfait, conçu par Dieu. Et donc, de ce fait, si vous voulez, on se met au-dessus, on devait maîtriser la nature, on devait l'exploiter, tout ce qui rampe, qui vole, etc. Alors que eux, les Indiens, sont plus dans une vision du tout dans tout et qu'on est partie intégrante de la nature. Donc je pense que là, on a aussi, il faut rappeler quand même qu'on est dans une société occidentale. Et donc cette vision que vous appelez maintenant un peu, retour un peu à l'écologie, comme ça, au naturel, c'est vrai que on s'en est détaché aussi, peut-être trop, pour certains. Et donc là, en espèce de retour, parce que je crois que l'histoire, c'est des allers-retours, et là, un retour vers quelque chose qui paraît peut-être plus naturel, moins justement comme des extraterrestres quelque part, hors de la nature. Et en fin de compte, je crois que c'est vrai que c'est tout un mouvement, tout un ensemble. Et là, Néandertal, je dis maintenant, moi qui l'ai beaucoup défendu, notamment dans mon livre, c'est vrai qu'il faut faire attention, je dis toujours attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber d'un mythe dans un autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne doit pas passer de la brute qui descend de son arbre, incapable de rien, à une vision du bon sauvage, hein, parce qu'on tombe d'un mythe dans un autre. Non, je crois qu'il faut accepter les différents. Pour moi, je dis, Néandertal est différent, il n'est ni inférieur ni supérieur. Et nous sommes bien sûr pas supérieurs à Néandertal. Je crois que ce point après différent est capital. Il ne faut pas hiérarchiser comme on l'a fait pendant deux siècles, 19e et 20e, où on voulait hiérarchiser. C'est mieux, c'est moins bien, les cultures. Non, je crois qu'il faut accepter les différences. Et je pense que actuellement, si vous voulez, il y a un mal-être. Moi, j'étais frappée par les lettres de mes lecteurs qui disaient souvent, en terminant, « Chère madame, j'espère que j'ai des gènes néandertaliens. » Il y en a qui doivent être très contents. Donc, pour moi, ça me suscitait toujours un questionnement. Parce que ça montre quoi? Ça montre que beaucoup de gens n'aiment pas ce qu'on est devenu. Et donc, quand on rejette ce qu'on est devenu, on cherche ailleurs. Évidemment, on va se tourner vers quelque chose qui est tellement au fond de nous aussi, ce côté naturel.
C'est vrai que quand ça va mal, on revient toujours vers le passé, mais enfin là, on va très très loin dans le passé. Alors comment il a disparu, Néandertal ? Parce qu'il a fini par disparaître. Alors juste une petite anecdote que j'aime beaucoup, enfin pas une anecdote, un dicton africain qui dit « quand tu ne sais plus où tu vas, tu t'arrêtes, tu te retournes et tu regardes d'où tu viens ». Et je pense que ça, c'est vraiment un automatisme qu'on a. C'est vrai quand on est un peu dans un mal-être, qu'on ne voit plus où on va, ce progrès incessant, pourquoi ? Puisque ce n'est pas le bien-être des humains, donc pourquoi ? C'est vrai qu'on a tendance à regarder peut-être le passé, mais aussi c'est important le passé, parce que nous avons une chronologie très longue, où on voit comment on réagit les sociétés face à des contraintes, soit des changements, des contraintes intérieures, des changements de type de société, soit des changements environnementaux. Nous, on travaille sur des centaines de milliers d'années, donc on voit comment ils ont réagi. On voit qu'il y a beaucoup de résilience, hein, on voit qu'il y a beaucoup d'adaptabilité. L'homme est vraiment à la fois perfectible et aussi s'adapte très très vite. Et donc, je pense que, si vous voulez, il faut replacer ce contexte qui est un contexte de nature où pendant des millénaires on a été dans cette nature. C'est pour ça aussi peut-être qu'au fond de nous, je ne voudrais pas faire de la psychanalyse du commerce avec Jung, par exemple, moi je crois beaucoup à la mémoire ancestrale et peut-être c'est ça aussi qui ressurgit. Voilà, alors donc il y a eu au niveau des hypothèses sur la disparition des Néandertaliens, il y a eu des hypothèses maintenant qui sont complètement rejetées, faute de preuves, d'arguments archéologiques, notamment le fait dire qu'ils étaient stupides et non qu'ils se sont éteints parce qu'ils étaient stupides. D'abord, ils avaient vécu 300 000 ans. On n'a pas fait la moitié. Enfin, si, peut-être un peu plus, mais en tout cas, on n'a pas fait les 300 000 ans. Donc, on va voir ce qu'on va devenir. On a vraiment mis en évidence des comportements très sophistiqués qui nécessitent des capacités cognitives typiquement humaines d'abord et extrêmement complexes et développées. Donc voilà, ils ont le langage. Maintenant, la génétique a montré qu'en effet, il y avait le langage. Ils enterrent leurs morts, ils soignent leurs malades. Ils ne tuent pas les handicapés de naissance. Donc ça, c'est quand même des comportements qui sont d'une haute valeur, pour moi, de caractéristiques de l'humain. Et donc ça, c'est complètement rejeté. Une des deuxièmes hypothèses, c'est le changement climatique. Et oh là là, il y a un coup de froid, ça y est, ils n'ont pas supporté le coup de froid. Ça, c'est un total ridicule, parce qu'en fin de compte, ces hommes ont traversé des glaciations et des interglaciations. Je me souviens d'Yves Coppens disant ça quand même. Oui, mais maintenant, il ne le dit plus. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est à rejeter, parce qu'ils ont traversé des périodes très froides et des périodes très chaudes, donc ça n'a pas du tout de sens. Vous savez, s'il fait froid, on descend plus vers le sud, c'est ce qui se passe. Voilà, on change de territoire. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, autre chose comme hypothèse, c'était le fait de dire qu'ils ont été exterminés. Alors là, il y a vraiment des preuves archéologiques qui prouvent qu'ils n'ont pas du tout été exterminés par les sapiens qui arrivent, puisqu'il n'y a rien, mais rien, pas un os, pas un crâne, qui montre une agression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils se sont peut-être cassés la figure entre eux, ils sont peut-être de la boxe, mais en tout cas, ça n'a pas laissé de traces, si vous voulez, de génocide, comme on a dit pendant un moment. On n'a pas de charniers, comme on verra au néolithique. Leur campement, ils n'ont pas de palissade. Ça, c'est du néolithique aussi. Quand on commence à en mettre des palissades, c'est qu'on a peur du voisin. Eux, pas du tout. Et dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, les Néandertaliens n'ont absolument pas agressé les migrants qui venaient. Hein, ils auraient pu casser la figure, mais vraiment, parce qu'ils étaient beaucoup plus costauds, ils avaient le même armement au départ, et beaucoup plus costauds que les sapiens. Donc voilà, parce que les sapiens carrés, ce sont des petits groupes. Hein. Ce n'est pas les hordes d'Attila qui déferlent sur l'Europe. Donc ils auraient pu les exterminer, ce n'était pas dans leur cosmogonie, ce n'était pas leur façon de voir. Donc il n'y a pas du tout de traces. Alors, une des hypothèses aussi qui a été avancée, c'est la pandémie. Alors, moi, je veux bien que les sapiens qui arrivent soient porteurs de virus qui puissent localement atteindre un groupe, un clan, une tribu de Néandertaliens, mais sûrement pas tous les Néandertaliens qui vivent dans toute l'Europe. Parce que là aussi, vous voyez, nous, on n'arrive déjà pas à avoir une vraie pandémie alors qu'on se déplace très vite avec les avions, le mélange des peuples. Alors donc, vous pensez bien que là, donc ça a pu arriver, mais très localement, et ça ne peut pas expliquer. Alors, les deux choses qui sont les deux hypothèses, disons, qui tiennent la route, si je puis me permettre, c'est en fin de compte cette fameuse déduction génétique, c'est-à-dire que les Néandertaliens peu nombreux se seraient mélangés à des sapiens, qui seraient mélangés les hybrides à des sapiens, et que voilà, donc une espèce de dilution, et que les caractères néandertaliens, donc, se seraient dilués comme ça dans les caractères sapiens.
Alors, moi, je pense que ça, c'est peut-être une des hypothèses à retenir. Je pense pas que ça, c'est suffisant pour expliquer. Je pense d'abord que c'est polyfactoriel. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est 10 000 ans. Ils vont cohabiter sur le même territoire pendant 10 000 ans. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il n'y a plus un Néandertalien sur la planète. Ça prend du temps. Et je pense que ça s'enracine très tôt dans le fait qu'au niveau de la démographie, les Néandertaliens sont très faibles. C'est-à-dire qu'ils sont quelques milliers sur toute l'Europe. Ils sont très dispersés. Ils vivent en groupe à peu près d'une cinquantaine, 30 à 50 personnes. Ils doivent rencontrer les autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de conflit entre eux, parce qu'il faut bien se reproduire. Hein. Si vous vous reproduisez au milieu de votre clan, pardon, ça va vite dégénérer. Et donc, il y avait cette entente. Et donc, très faible. En plus, au niveau de leur anatomie. Leur anatomie, quand on fait un rapport entre 6 et 9 mois comme nous, un rapport entre la tête du bébé, la grosseur, et le trou pour passer dans le bassin de la femme, c'est juste. Donc il y a une mortalité importante, non seulement infantile, comme on verra plus tard au Moyen-Âge et autres, mais également de la mère. Par exemple, on n'a pas de femme qui dépasse 30 ans, alors qu'on a des hommes de 45 dans les sépultures. Donc il y a une mortalité élevée de la mère. Donc, vous voyez, la démographie est faible, parce que quand on est deux, il faut faire deux. Si on fait un, c'est foutu. Et donc déjà, c'est mal parti au niveau de cette démographie faible. L'arrivée des sapiens va accélérer le processus parce qu'à cause de cette arrivée, ils vont changer de territoire, ils vont être encore plus mobiles. Et on sait très bien que c'est la sédentarisation qui fait développer la démographie. On le voit très bien avec l'explosion au néolithique. Et donc, ça va accentuer ce problème démographique et ça va entraîner une chute fatale. Et ça va très vite. En fin de compte, ça fait quelques générations. Et là, sur ces 10 000 ans, c'est tout à fait compréhensible. Donc, je crois que peut-être localement, il y a eu des petites choses comme des croisements, des maladies, mais je crois que le fait est que la démographie a joué un très grand rôle. Vous connaissez bien Néandertal, j'en ai pas parlé dans l'introduction, parce que vous avez écrit notamment un livre qui s'appelle Néandertal, une autre humanité. Ce qui est formidable, ce qu'on se dit, c'est que vous en savez beaucoup quand même sur cette race, sur cette espèce. En histoire, je comprends, on a les textes ou une absence de textes, mais vous, comment vous faites ? Alors ça, c'est l'archéologie. Alors, pour les historiens, je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'archéologie médiévale, bon, même antique, bien sûr, et on a plein de données avec l'archéologie. Parce que là, on étudie, pour les périodes récentes, on étudie les poubelles, hein, en général, voilà, ou ce qu'ils ont laissé, et on s'aperçoit qu'il y a plein d'informations, de découvertes qui permettent d'enrichir les textes ou bien qui permettent de les valider ou au contraire de dire, bon, parce qu'un texte, c'est pas fiable non plus. Hein. C'est-à-dire que, en fin de compte, si moi je découvre un os avec une trace dessus de silex et tout, je peux dire, voilà, il a fait tel geste pour manger, pour découper la viande, pour prendre la peau, etc., pour tailler un outil. Mais en fin de compte, un texte, il y a l'écrivain derrière, il y a l'historien, quand ce sont des historiens. Et là, on sait très bien que c'est subjectif aussi. Donc, je pense que, pour moi, c'est très lié et très important de lier les deux. C'est-à-dire, à la fois l'archéologie, avec les éléments concrets, les ossements, les qu'on trouve, etc., les arbres, et puis les textes. Alors, nous, donc, on n'a pas ces textes, on n'a que l'archéologie. Et on fait parler le matériel. Et ça, c'est très important. On n'est plus du tout dans la science-fiction. On ne raconte pas des histoires, on ne fait pas du roman préhistorique. On fait des recherches, on trouve du matériel, des outils taillés, on trouve des squelettes humains, on trouve des ossements d'animaux, on les fait parler, on les date, parce que maintenant, nous avons des moyens très importants pour bien dater. Hein. Donc, il n'y a pas que le carbone 14, il y a des choses beaucoup plus compliquées pour les périodes plus lointaines. Et donc là, au niveau des datations, on a des choses très précises. En plus, on a maintenant la chance de vivre à une période où la technologie nous permet d'avoir des machines qui nous donnent des tas de renseignements, notamment lorsqu'on travaille sur le collagène, qui reste dans les os fossiles. Et là, on peut savoir l'alimentation. C'est-à-dire que maintenant, moi, je travaille beaucoup sur l'alimentation, les comportements de subsistance des hommes préhistoriques, et on peut savoir ce qu'ils ont mangé. Donc ça, c'est très important, ce qui était vraiment leur quotidien. Par exemple, on a montré que les Néandertaliens et les premiers hommes modernes étaient des carnivores. Ils mangeaient essentiellement de la viande. Et ça, c'est important, c'est un comportement culturel fort, puisque c'est pas seulement dans les périodes très froides où on peut se dire c'est normal, il n'y avait pas de végétaux, on n'allait pas manger trois baies sauvages, je sais pas.
Et donc, aussi même dans les périodes tempérées. C'est-à-dire c'était vraiment une culture de chasseurs. Ils ont mangé beaucoup de viande. Et on peut même aller plus loin, savoir quel type de viande. C'est-à-dire si c'est des types de viande d'herbivores qui mangent plutôt des feuilles, comme les cerfs, etc., ou plutôt des herbes, comme les bisons. Bref, on arrive à cerner des choses très précisément. Et ça, ça nous donne des tas d'indications sur leur savoir-faire cynégétique, hein, parce que vous imaginez bien, quand vous avez des armes, je parle là de Néandertal, des armes assez rudimentaires, hein, des épieux, des lances, ça veut dire que vous êtes obligé de développer des stratégies, c'est-à-dire de faire fonctionner votre cerveau pour trouver des stratégies, utiliser la nature, les pièges naturels, etc. Et tout ça montre qu'il y avait vraiment un développement très important des capacités cognitives, très complexes. La taille du silex est extrêmement complexe, c'est toute une chaîne de gestes, un enchaînement. Et là aussi, on a négligé pendant très longtemps. On a dit, oh là là, on est des pierres taillées, c'est ridicule et tout. Non, parce que tailler une pierre, c'est très complexe. Vous prenez une pierre brute et si vous voulez un racloir, il faut faire l'enchaînement de tel et tel geste. Si vous voulez une pointe, il faut faire etc. Une saguette, tout est différent. Vous l'avez déjà fait ? Oui, oui, bien sûr. On reconstitue et on découpe même l'animal. Et quand vous pensez qu'à cette époque-là, en fin de compte, non seulement ils voyaient l'animal comme, bien sûr, de l'alimentaire, mais aussi du non-alimentaire. C'est-à-dire que pour eux, l'animal était un ensemble de ressources, à la fois pour se vêtir, pour utiliser les eaux comme combustible, utiliser les bois pour faire des bois de renne, par exemple, pour faire des sagaies, les ligaments, les tendons pour faire des ficelles et des liens. Tout était récupéré, c'était vraiment une vision globale de l'animal. Et ça nécessite aussi des capacités, parce que quand vous voyez un animal et que vous voyez toutes les parties, c'est comme si vous le découpiez en disant ça va être utilisé et tout ça. Donc c'est très complexe, les gestes sont déjà très complexes. Donc je pense que si vous voulez, la vision un peu, pour l'ensemble d'ailleurs des préhistoriques qu'on a eu pendant très longtemps, est complètement fausse. Quand vous pensez, et ça c'est avant Néandertal, les Erectus, quand vous pensez pour maîtriser le feu, vous imaginez qu'au départ, vous ne savez pas, parce qu'on me dit oui, il y a les feux de brousse, tout ça, oui, mais enfin les feux de brousse, voilà, et les volcans, etc. Non, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, des expériences, des tentatives vont arriver à aboutir à faire du feu en frottant deux morceaux de bois ou bien de silex, enfin de pyrite, etc. Donc tout ça demande des connaissances approfondies de la nature pour récupérer dans la nature, parce qu'ils prennent tout dans la nature. Ils ne produisent pas. Ce sont des prédateurs. Ils se servent dans la nature des choses dont ils ont besoin. Donc ils maîtrisent leur environnement. Ils savent où trouver du bon silex. Ils savent où trouver le gibier. Etc. Donc, si vous voulez, c'est tout un raisonnement qui nécessite des savoirs et des savoir-faire. Et ça, je crois que c'est très important. Et ça enlève cette image qui a été portée aussi un peu par des livres, malheureusement pour moi, qui sont un peu malfaisants, ou des films qui ont caricaturé, parce qu'il fallait en faire une brute, un sauvage, montrer que nous, on est mieux, que le progrès, c'est important, la technologie. C'est pas vrai. Moi, j'ai eu la chance de vivre chez les Bushmen dans le Kalahari pendant 3 mois. C'est un peuple de tradition orale, qui n'a pas d'écriture, qui chasse à l'arc, qui mange des fruits de la nature. Et en fin de compte, ils ont une cosmogonie, ils ont des contes, des mythes, une richesse de savoir et de savoir-faire qui vaut les nôtres. Est-ce que Néandertal était un artiste également, comme à ses temps perdus, s'il en avait, comme Cro-Magnon pouvait l'être dans ses grottes ? Alors là, c'est un peu la question qui revient, parce qu'on me dit, oui, ton Néandertal, là, t'es là, à dire que c'est ci, cela. N'empêche qu'il n'a pas fait d'art. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas peint Lascaux. Hein, Lascaux, ce n'est pas Néandertal. Lascaux, c'est Homo sapiens, ce sont les Magdaléniens, les Cro-Magnons. Mais je dis prudence. Prudence parce que en tant que scientifique, moi, j'ai appris que l'absence n'est pas une preuve et encore moins la preuve de l'absence. Donc, je peux dire que les Magdaléniens ont peint Lascaux ou la grotte Chauvet, mais je ne peux pas dire que les Néandertaliens n'ont rien fait. Je prends 2 exemples et vous allez très vite comprendre. Si je travaille en Amérique, sur les peuples amérindiens, Amérique du Nord, sur des sites, je dirais ces gens-là n'ont pas fait d'art. Parce que tout leur art est sur peau de bison. Et nous, archéologues, on n'a pas de peau de bison, ça ne se conserve pas. Nous, on ne conserve que des choses qui peuvent se fossiliser, c'est-à-dire qui sont soit des pierres, évidemment, soit des os.
Hein. Donc, par exemple, je vais dire, certaines tribus, certains Sioux, bon, ils n'avaient pas d'art. Complètement faux. Autre exemple, les aborigènes d'Australie. Il y a plusieurs tribus d'aborigènes qui font des peintures exclusivement sur écorce. Pareil. Si je fais de l'art éphémère, comme certains Indiens d'Amérique du Sud, sur le sable, pareil. Si je fais des tatouages, des scarifications, pareil, je n'ai rien. Donc il faut être très prudent. Donc je ne dis pas du tout que Néandertal avait réalisé des peintures, quoi corporelles ou sur des matières périssables. Mais je dis qu'il ne faut pas en exclure la possibilité. Pourquoi ? Parce qu'on a des sites qui nous montrent qu'il a importé dans son habitat, par exemple, beaucoup d'ocre. Des nodules d'ocre qu'on trouve dans la nature. On voit des traces dessus, il en a fait de la poudre. Alors, pourquoi faire ? Teindre ses peaux, se tatouer, etc. Donc ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ça. Autre fait symbolique, les Néandertaliens ont ramassé, comme moi, quand j'étais petite, des fossiles. Ils ont ramassé des ammonites. Ils ont ramassé des minéraux qui étaient très beaux. Ils ont ramassé des améthystes, des cristaux de quartz. Donc, vous voyez, ce n'est pas utilitaire. Pourquoi ils les ont ramassés ? C'est que quand même, ils n'étaient pas seulement dans une perspective de survie, de subsistance, sans avoir de pensée. Autre exemple très important, c'est tous les rites funéraires. Parce que non seulement on a des sépultures, comme Cro-Magnon d'ailleurs, mais dans ces sépultures, on a parfois des objets qui sont mis avec le mort. Des beaux outils qui n'ont pas servi, qui ont été taillés exprès. On a des morceaux de viande, par exemple une patte de bison. Donc on a quelque chose qui montre qu'il y avait un accompagnement du mort et qu'il y avait donc une conscience de la mort de l'autre, et que l'autre est son semblable. Il ne va pas enterrer des animaux, il enterre son semblable. Donc là, il y a déjà une vision qui dépasse là aussi la notion simplement comme on l'imaginait, le pauvre gars qui passe son temps à chercher à manger. Non, ça c'est une image d'Épinal. Autre chose aussi, on a découvert des choses extraordinaires. Par exemple, on a découvert que non seulement il enterrait des hommes, les femmes et toute son hiérarchie, mais également des enfants et des fœtus. À la Ferracier, il a enterré un fœtus. Ça montre comme quoi, pour ces groupes de Néandertaliens, l'enfant est très important. L'enfant est pour le clan, hein. Il n'y a pas de paternité. À l'époque, pendant très longtemps, on ne savait pas la relation entre l'accouplement et la naissance. À 9 mois, on ne savait pas. Bon. Et donc, il n'y avait pas. Mais pour le clan, un enfant, c'est l'avenir. Donc, il y a ce sentiment de continuer à travers cet enfant, de continuer, que son clan va continuer à travers l'enfant. Donc, très important. Et autre, dernière chose aussi qui montre qu'il avait des pensées autres que simplement de subsistance, c'est quand on voit des sites où des hommes, et là je pense à un site en particulier à Shanidar, justement au Proche-Orient, en Irak, où on a trouvé un Néandertalien qui est mort à 40-45 ans, qui n'avait pas de bras, il lui manquait un bras de naissance. Vous imaginez pour un groupe d'une trentaine à 50 personnes prendre en charge un individu qui est quand même diminué, surtout ce sont des chasseurs-cueilleurs, c'est énorme. Ça veut dire que non, ils prennent en charge cet enfant. Et en plus, ce qui est assez beau, je trouve, c'est que cet homme, a utilisé ses incisives pour travailler comme une seconde main. Donc, il s'est rendu aussi utile pour le clan. Donc, il y avait cette relation à l'autre qui est extrêmement développée. Vous avez écrit un autre ouvrage, Mangeur de viande. La célèbre émission sur la 6, Un dîner presque parfait. Si on s'amusait à faire un dîner presque parfait, Néandertal, ce serait quoi ? Alors, moi, je pense qu'on pourrait déjà commencer par peut-être des insectes. Moi, je vois très bien en entrée. Bon, je dis ça parce que les gens ont plus à faire. C'est pas bon. Si, c'est très bon. Moi, j'ai mangé des fourmis volantes en Afrique avec mes bushmen et c'était vraiment, c'est très, très bon. Ça ressemble un peu à des cacahuètes. Bon. Donc, on peut imaginer des insectes. Ça, c'est très important. C'est très nutritif. Il y a beaucoup de protéines. On peut imaginer aussi qu'ils aient ramassé des baies sauvages.
Et bien sûr, là, on peut avoir des belles cuisses de bison, voilà, qui sont passées à la broche, parce qu'on a la preuve. Donc, bien sûr, ils connaissaient le feu, et on a la preuve qu'ils cuisaient un peu comme les méchouis, hein, qui faisaient un peu rôtir leur viande. Donc, on peut s'imaginer un beau cuisseau de bison ou de renne ou de cerf, c'est les périodes tempérées. Donc, je pense qu'on serait à mon avis, repu. Alors, il y a une question qu'on se pose. Votre question est intéressante parce que j'ai essayé de voir comment on pouvait reconstituer justement l'alimentation de ces âmes. Et il y avait un peu de poisson. Et se poser la question sur le miel. Alors, c'est toujours très délicat parce qu'il y a le miel sauvage qui est beaucoup utilisé chez les peuples chasseurs-cueilleurs subactuels, qui était. Mais il n'est pas sûr que sous un climat très froid, on ait eu du miel sauvage. Mais sinon, une période tempérée, on peut imaginer donc voilà, terminer par du miel. Donc, vous voyez, c'est pas si mal. Et bon, moi, je suis aussi un mangeur de viande. Donc, moi, quand il y a beaucoup de viande, je suis extrêmement contente. Donc, non, je pense que au-delà de l'anecdote, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fin de compte, leur alimentation leur a permis de vivre, et je ne dis pas de survivre, de vivre, pendant, en fin de compte, très longtemps, des milliers d'années. Donc, c'est qu'ils avaient élaboré des techniques de subsistance qui étaient tout à fait viables et qui convenaient parfaitement. Et je crois que là aussi, c'est une vision complètement européocentriste, très occidentale, de s'imaginer qu'on ne peut pas vivre de chasse et de cueillette tranquillement. Et c'est complètement faux. Beaucoup d'études ethnographiques ont montré que les peuples chasseurs-cueilleurs avaient du temps libre. Si vous tuez un gibier, notamment là ils tuaient des gros mammifères, hein, les bisons, ils collectaient aussi de la viande de mammouth, ils tuaient des chevaux, etc. Donc il y avait quand même des animaux conséquents en poids de viande. Et là on partage le gibier, et ça c'est très important. On partage les récoltes de fruits, d'herbes, etc. Donc il y a en plus, si vous voulez, simplement du côté alimentaire, ça nous démontre quoi ? Ça démontre que leur société était aussi basée sur des choses qui sont des valeurs très importantes, qui sont des valeurs sociétales, comme le partage, comme la division du travail, comme aussi la cohésion du groupe, la coopération du groupe. Quand vous allez à la chasse ou à la cueillette, c'est un groupe, hein, c'est-à-dire que là, surtout à la chasse, vous avez besoin d'être plusieurs. Vous préparez les armes, donc avant la chasse, vous réfléchissez à la chasse, et après la chasse, c'est toujours festif. Et ça, dans tous les peuples chasseurs-cueilleurs, on l'a constaté dans les travaux ethnographiques. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est autour de ce feu, de ces repas pris en commun, que vont se développer, à mon avis, toutes les cosmogonies, tous les mythes, tous les contes. Tu te rappelles quand machin était à la chasse, il a tué le grand bison, voilà, etc. Et aussi, derrière l'animal, c'est très important. L'animal n'est pas que bon à manger, mais bon à penser. Et donc, c'est pour ça que même avec Cro-Magnon, quand vous regardez tout l'art pariétal, moi, ce qui m'a toujours surpris, pour ça, vous parlez de mon livre sur mangeur de viande, j'ai beaucoup travaillé sur, justement, le rapport à l'animal, pas seulement alimentaire, mais aussi non alimentaire, et on s'aperçoit que dans la cosmogonie de nos ancêtres directs, là, les Cro-Magnons, en fin de compte, c'est l'animal. C'est lui qui est sur les parois des grottes, c'est lui qui est figuré dans l'ivoire de mammouth, c'est toujours, toujours, toujours l'animal. Et ça, c'est très important. C'est pas le sol. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a quasiment pas de végétaux, rien du tout. Il n'y a presque pas de petits animaux. Il y a essentiellement des grands mammifères. Et là, il y a un rapport. Alors, des grands mammifères qu'on consomme régulièrement, mais aussi des grands mammifères qu'on ne consomme pas régulièrement. Par exemple, si vous prenez l'ascot, tous ces grands aurochs, l'auroch était un animal extrêmement difficile à chasser, qui a été très peu chassé par les préhistoriques, et il est pourtant bien représenté, parce que probablement qu'il devait représenter pour eux un animal un peu mythique, un peu une relation qui est très difficile nous d'interpréter, parce que dès qu'on prend le terme de totem, le terme de chamanisme, etc., tout de suite on rentre dans des débats insurmontables, mais toujours est-il qu'il y a un rapport à cet animal qui dépasse ce côté alimentaire. Sinon, à Lascaux, il n'y aurait que du renne. Parce que moi, j'ai étudié la faune consommée par les artistes, leur sandwich, c'est vraiment que du renne, que du renne, que du renne. Donc, il n'y aurait que du renne, il n'y a pas du tout. Néandertal n'était pas du tout cannibale.
Si. Le cannibalisme, là aussi, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé et qui est développé dans mes livres sur Néandertal et aussi Mangeurs de viande. Le cannibalisme, pour moi, est aussi ancien que l'homme, que l'hominidé. Il est de tout temps, même encore maintenant. Il est partout. Il est presque, je vais faire frémir tout le monde, mais il est presque intrinsèque à l'homme. Et quand on voit les rites extrêmement complexes du cannibalisme, d'abord, vous avez deux types de cannibalisme, l'endocannibalisme, où je vais manger ma grand-mère, donc dans un rituel funéraire, et l'exocannibalisme, où je vais manger soit un adversaire, soit un étranger à mon groupe. Donc là, c'est déjà très complexe. À l'intérieur de ça, il y a un rituel pour le tuer, un rituel pour le manger. On ne donne pas n'importe quel morceau à n'importe qui. C'est très ritualisé. Donc très complexe. On en a partout, jusqu'à maintenant, je le répète, et dans notre vocabulaire alimentaire et surtout amoureux, on n'a que du... Enfin, l'alimentaire rejoint l'amoureux, on n'a que des termes cannibaliques. T'es belle à croquer, je vais te dévorer, etc. J'en passais des meilleurs. Donc on est dans ce vocabulaire cannibale. Et regardez, pour nous, ben, je veux dire l'Occident chrétien, s'il y a bien un rythme cannibale, c'est quand même l'Eucharistie. Hein, je ne sais pas, c'est écrit dans les évangiles. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très profond. L'ingestion de l'autre... C'est extrêmement important. De toute façon, l'alimentation pour l'homme, c'est très important. Parce qu'on n'y pense plus maintenant, c'est une espèce de geste machinal. Mais en fin de compte, quand vous mangez quelque chose, à votre propre corps, vous ingérez un corps étranger. Donc, voilà, et que c'est votre cerveau. C'est-à-dire que, par exemple, des gens disent « Ah, moi, je ne mangerai jamais de cheval. » Si vous leur faites manger du cheval et que vous ne leur dites pas que c'est du cheval, ils vont le manger. Ils ne vont pas faire de différence, ils vont le trouver bon. Moi, j'ai fait l'expérience avec ma fille. Ils vont trouver bon, ils vont pas. Mais dès que vous commencez à dire c'est du cheval, vous ne mangerez pas. Donc je pense que là aussi, le fait de penser que vous allez manger votre semblable, ça devient dramatique. Mais si vous vous remettez dans un contexte plus nature, déjà pour la plupart des chasseurs-cueilleurs, l'animal était l'autre, était le frère, était le semblable. C'est pour ça qu'il y a plein de rites de chasse, parce que en fin de compte. Comment, pour l'homme, accepter de tuer son semblable? Pour ça, il faut faire des rites. Et donc, on retrouve ces rites de chasse, extrêmement compliqués là aussi, pour pouvoir tuer l'animal et de tuer l'humain. Donc, on est dans ce même processus. Alors, je crois que là, il y a à bien réfléchir, à se dire, peut-être réfléchissons, et revenons à Montaigne, quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je pense que Montaigne, pour moi, c'est une vraie lumière. Quand il a fait son texte dans les essais de livre 1 sur les cannibales, il a vraiment bien développé le propos. Et en fin de compte, ce qui est terrible, c'est de tuer l'autre, c'est pas de le manger. En fin de compte, le geste, s'il y a un geste à réprouver, c'est de le tuer. Mais après tout, le manger, si vous êtes dans un rituel qui où l'acceptation de manger de la chair humaine fait partie de votre rituel, de votre cosmogonie, il n'y a pas de souci. Nous sommes tous néandertals, c'est très clair. Alors, je fais partie d'une génération, moi, qui a grandi avec la vie privée des hommes, avec Il était une fois l'homme, etc. Et j'ai commencé avec des dates qui vous ont fait un peu sursauter en disant 50 000 ans, un ancêtre déjà lointain, c'est Homo sapiens, 500 000 ans, etc. Où me suis-je trompé? Oui, alors maintenant, mais c'est pas du tout votre faute. C'est que la science avance très vite. Hein. Donc, on a de plus en plus de sites archéologiques, on a de plus en plus, tout à l'heure, on en parlait, de moyens. Donc, de techniques qui nous permettent d'aller plus loin. Et c'est vrai que maintenant, si vous voulez, pour faire très rapidement, on peut situer les premiers hominidés à 5-6 millions d'années. Donc là, avec les australopithèques. Ensuite, nous avons les Homo habilis qui vont tailler des outils d'une façon très claire vers 1,8 million d'années. Donc, vous voyez déjà un grand pas, parce que là aussi, il faut commencer à tailler. C'est une grosse invention. Les erectus, leur grosse invention, c'est le biface, mais aussi, vous savez, ce fameux biface, cet objet cylindrique. Et ça, c'est qui montre une symétrie importante. Donc, ça, c'est la notion de symétrie. Ça veut dire que
cerveau gauche et droit, ça marche bien. Donc tout est en place. Et aussi, ils vont donc domestiquer, ce qu'on appelle domestiquer le feu, c'est-à-dire qu'ils vont le reproduire. Hein, de l'utiliser, il y a peut-être des hommes avant, des hominidés avant qui ont utilisé le feu, mais ça n'allait pas le reproduire. Eux, ils l'ont fait. Et ensuite, donc, viennent les Néandertaliens, parce que les Erectus, c'est eux, en plus, qui vont quand même sortir d'Afrique. Donc ça, c'est très important, parce que quand on migre, on ne sait pas où on va. Donc là aussi, il faut montrer la dextérité. Vous quittez des périodes, des régions chaudes, avec des animaux comme des daims, par exemple, et puis vous arrivez en Europe, ce sont des bisons, il fait un froid de canard. Bon, ce n'est pas la même chose, vous avez intérêt à vous adapter. Donc il y a eu cette sortie d'Afrique très importante avec les Erectus. Et les Néandertaliens, donc, ils se développent. Ils vont inventer une nouvelle taille d'outils, ce qu'on appelle la technique Levallois, qui est une invention vers 300 000 ans, qui est très importante parce que là, dans le bloc, si vous voulez, de roche brute, ils voyaient déjà l'outil. Donc, ils voyaient les gestes qu'il faut faire pour arriver, si je veux un racloir, si je veux une pointe moustérienne, etc. Donc là, c'est très important. Ils vont enterrer leurs morts. Et donc, il y a déjà ces nouveautés. Ils vont aménager leur habitat, c'est-à-dire qu'ils vont faire des zones d'activité différentes, etc. Ils ne se couchent pas dans leurs ordures. Hein. Ça, c'est aussi une vision complètement fausse. Et puis, après, donc, avec Sapiens, si vous voulez, qui maintenant, plus ça va, plus on recule dans le temps, les dernières découvertes situeraient l'apparition vers 200 000 ans. Donc, vous voyez, le feu, 500 000 ans, c'est Erectus. Les Néandertaliens, 300 000 ans. Les Sapiens, 200 000 ans. Et donc, là, ils vont, eux, bien sûr, être les artisans d'un outillage, bien sûr, sur pierre, mais aussi sur os et bois de renne. Les fameux saguets, harpons, le propulseur. Et puis ils vont bien sûr être les artistes, comme on a dit, donc de toutes ces belles représentations et qui sont d'une beauté exceptionnelle, et aussi des objets, des objets qu'on peut dire de parure. Et ça, c'est aussi important. Alors là, une petite parenthèse qui est à noter, les derniers Néandertaliens, certains groupes en tout cas, se sont mis à faire un peu de paléosup, se sont mis à faire un peu des outils qu'on retrouve avec les Cro-Magnons. Alors, il y a eu un grand débat, acculturation, pas acculturation, comme s'ils ne pouvaient pas innover eux-mêmes. Moi, je pense qu'il y a des groupes qui ont innové, comme à Saint-Césaire, à 36 000 ans. Je suis sûre que Pierrette, là-bas, à Saint-Césaire, cette Néandertalienne, n'avait jamais vu de visu vraiment un sapiens. Et pourtant, son groupe a fait de l'industrie osseuse et a fait de la parure. Et je crois que c'est intéressant. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils étaient capables de s'adapter. Et aussi que le fait de se parer, pour moi, c'est signifiant. Quand vous voulez mettre une parure, c'est vous dire, vous voulez vous identifier, soit au sein de votre groupe, pour dire, voilà, ben moi je suis la femme du chef, ou moi je suis le plus grand chasseur, ou moi je sais pas, enfin tout ce que vous voulez, par rapport à l'autre, ou bien par rapport à l'étranger, à l'autre plus lointain. Et donc, par exemple, moi, je suis du clan des chasseurs de chevaux, toi, tu es du clan du renne, on n'a pas les mêmes parures, etc. Ça suffit. Et le sapiens va le faire. Et les Néandertaliens ne le faisaient pas. Et ils vont se mettre à le faire quand les sapiens sont là. Parce que là, avant, entre eux, les différents groupes néandertaliens n'avaient pas besoin de s'identifier. Bon, je pense qu'au sein de leur groupe, il n'y avait pas de hiérarchie. Et que, donc, au sein du groupe, pas besoin de s'identifier, et que par rapport aux autres groupes non plus. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport égalitaire, entre guillemets. Alors que là, avec Sapiens, ils doivent se démarquer aussi. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à se parer. Et je pense que ça, c'est une très bonne indication d'un changement, si vous voulez, de comportement, et que les Sapiens ont un comportement en tant que migrants qui est plus combatif, qui est plus. Volontaires, voilà, ils vont améliorer leur technique. Ils sont partis en faisant du moustérien. Ils vont développer une technologie complètement différente en arrivant en Europe parce qu'ils sont dans un contexte différent du Proche-Orient. Donc, ils doivent évoluer pour survivre là. Ils doivent changer leur technique et ils vont utiliser eux les armes des animaux, c'est-à-dire les bois de renne, par exemple, pour faire des armes. Ce qui est rarissime chez les peuples chasseurs-cueilleurs subactuels. Il n'y a quasiment pas d'utilisation des armes naturelles. Ce n'est pas dans leur cosmogonie. On respecte l'animal. On ne prend pas ses armes pour le tuer. Et le sapiens va le faire. Et Néandertal ne l'avait jamais fait. Donc c'est vraiment, je pense, là aussi un comportement différent. Et c'est peut-être pour ça que les sapiens ont gagné. C'est un peu triste.
parce qu'on a toujours tendance à penser, il faut être pacifique, il faut bien respecter l'animal, il faut être un écolo, comme ça, pour être bien. Non, eux, c'est, à mon avis, c'est parce qu'ils étaient vraiment pugnaces et volontaires, comme tous les migrants, conquérants, entre guillemets. Hein, et d'abord, c'est les plus forts qui survivent, hein, parce qu'il faut quand même avancer, il faut quand même migrer. Il faut quand même... Et donc, soit on est fort physiquement, soit on invente des choses. Et donc, je crois que c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi, parce qu'ils sont un petit peu dégagés de cette nature. Et Néandertal, c'est un conservateur. À mon avis, ça marchait bien pendant des milliers d'années. Pourquoi changer, hein? On n'aime pas changer. Si on doit changer, c'est parce qu'on est obligé. Il y a une pression extérieure. Alors eux, ils ont, le temps qu'ils réagissent, bon, c'était déjà trop tard. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas adaptés assez vite à ce changement qui était phénoménal pour eux. Vous imaginez, vous voyez arriver, vous pensez que vous êtes seul au monde, vous voyez arriver comme ça des gens qui vous ressemblent pas tout à fait. Voilà, nous on est préparés à avoir des extraterrestres, hein, depuis le temps qu'on nous dit qu'il y a des extraterrestres, un jour on va avoir des bonhommes verts, on est préparés, je ne sais pas quelle réaction on aura, parce que c'est vraiment un changement radical, quoi. C'est-à-dire que là je pense que toute leur cosmogonie s'est écroulée et que ça a dû faire un grand bouleversement. On imagine bien, alors on aurait des milliards et des milliards de questions à vous poser, mais on va quand même vous laisser. Je pense qu'on peut lire tout ça dans votre livre Néandertal, une autre humanité, évidemment. Pour les amateurs de viande, mangeurs de viande, bien sûr, merci beaucoup Marie-Hélène Patoumatis de nous avoir accordé cet entretien dans un lieu magnifique que peut-être vous pouvez nous rappeler. Oui, donc je vous remercie déjà d'être venu jusqu'à moi. Donc ici, c'est l'Institut de paléontologie humaine, qui est un bâtiment très ancien. Il a été achevé de construction en 1913. Grâce à Albert Ier de Monaco, qui était à la fois un passionné de la mer, mais aussi un passionné de la préhistoire. C'est pour ça que nous avons le blason des Grimaldi. Et donc, dans cet institut vénérable, nous avons eu tous les grands préhistoriens qui ont fait la préhistoire, parce que la préhistoire est française au départ, hein, énormément, énormément française. Beaucoup de sites éponymes sont français. Et donc, il y a eu tous les grands préhistoriens, de Marcelin Boule jusqu'à maintenant Henri Lemelet, en passant par Teilhard de Chardin, par Valois, etc. Et j'en passais, et des plus grands. Donc, c'est un lieu très beau et aussi très riche par son passé. Tout en bois, c'est absolument magnifique. Juste un petit clin d'œil pour finir, on peut écrire Néandertal avec un H ou sans un H, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu archaïque, comme dirait ma fille. Elle me dit, t'es pas préhistorienne, t'es préhistorique. Je prends ça comme un compliment. Voilà, parce que au départ, si vous voulez, c'est la découverte, on en parlait tout à l'heure, 1856, c'est en Allemagne, dans la vallée de Néander. Et la vallée en allemand, à cette époque-là, au 19e, jusqu'à pas très longtemps, ça s'appelait Thal avec un H. Maintenant, les Allemands ont changé, vous savez, ils ont fait un peu le dépoussiérage au niveau orthographique, ils ont enlevé des H, et notamment le H de Thal pour la vallée. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est très drôle, c'est que les Américains continuent à mettre un H. Donc je ne sais pas que je sois du tout américaniste, mais en tout cas, c'est vrai que moi, je préfère mettre le H, d'autant plus que Homo néandertalensis ou Homo sapiens néandertalensis prend un H. Merci beaucoup. Juste une petite chose pour finir. Cette histoire 1856, etc. est remarquablement expliquée dans votre ouvrage. Je vous conseille à toutes et toutes de le lire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.